choqué, bien sûr, profondément choqué de cette attaque qui semblait pas croyable, incroyable. Et c'est comme un 11 septembre pour la France. On veut déstabiliser, la démocratie et déstabiliser toute l'ouverture aussi maintenant que l'Europe a essayé de montrer pour des réfugiés. Et il est très important que nous ne nous laissons pas intimider, mais que nous renforçons nos convictions démocratiques et que l'Europe, les pays de la communauté européenne soient extrêmement solidaires maintenant dans ce moment. Nous sommes proches des familles et des victimes et de tous ceux qui souffrent maintenant et de toute la nation maintenant et toute l'Europe et au-delà qui est atteinte par cette attaque terrible. J'ai écrit une prière ce matin que nous avons lue ici à midi et à table nous avons eu les sept réfugiés soudanais que nous venons d'accueillir ici, qui venaient de Calais, qui sont venus ici. Ils ont dit, ce n'est pas l'islam qui fait ça. Alors, nous sommes aussi contents qu'eux sont ici avec nous, que nous pouvons vivre ensemble notre confiance que nous pourrons dépasser cette terrible conflit. Et je voudrais dire simplement cette prière. Dieu éternel, nous voudrions nous appuyer dans nos actes et dans nos pensées sur ta présence. Là est la source de notre espérance. Nous te confions les victimes des attaques à Paris et à Beyrouth, où il y a 2 jours, leurs familles et leurs proches dans le deuil. Avec tes croyants de tous les horizons, nous implorons ton nom et nous te prions que vienne ta paix sur notre terre.